l'université Lafayette est une université privée. Elle a été créée en 1979 et a commencé par le domaine de la théologie. Il y a aussi 5 domaines supplémentaires, donc, avec le domaine des sciences et technologies, l'informatique, communication multimédia, la collaboration avec TME, donc, on peut le résumer en 3 points. Premièrement, c'est-à-dire la dotation d'enseignants à titre gratuit pour former, familiariser nos jeunes sur la technologie. Deuxièmement, c'est la dotation d'équipements pour donner aux jeunes l'accès à la pratique. Et troisièmement, c'est surtout d'octroyer le sponsoring pour la mise en place de la salle laboratoire en technologie pour nos jeunes. TME Education nous a offert beaucoup de formations et nous a donné des certificats en Arduino. En plus des matériels, on peut réaliser certains projets et de nombreuses pratiques. Technologie sur papier, c'est un peu frustrant. Mais depuis l'arrivée de ces équipements, alors la pratique a été effective au sein de notre établissement. Les étudiants étaient vraiment non seulement intéressés, mais ils étaient très motivés. Alors, certains étudiants sont même très motivés de s'investir dans différents projets, à type des guise d'exemple, de gérer des caméras de surveillance, de concevoir des robots, de créer leur propre système d'alarme et puis de piloter des dispositifs électroniques. Grâce à la formation pratique de TME, j'ai pu réussir à avoir des connaissances sur le robot. Je pouvais élargir mes connaissances et faire des projets. Concernant la technologie apportée par TME, je vais parler de la technologie d'aujourd'hui, surtout à partir de cette Arduino. Il y a plusieurs avantages. Elle permet à nos jeunes d'être en phase avec la nouvelle technologie, permet aussi la visibilité de notre institution, ainsi, ou bien par ailleurs, permet à nos jeunes d'être plus créatifs, avoir des idées de projets plus innovants. Grâce au TME Education, j'ai pu acquérir mes connaissances en éléments électroniques et aussi j'ai pu améliorer dans la programmation similaire. Grâce à notre cours donné par le groupe TME, j'ai pu apprendre quelques projets, par exemple varier la luminosité des LED avec des photorésistances. On peut aussi créer des voitures guidées à distance grâce à l'appareil Bluetooth et aussi des alarmes grâce à des capteurs de mouvement.